Et salut les amis, c'est Pooch, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur le mode histoire de Super Mario Maker 2. Donc on n'a pas changé par rapport à la dernière vidéo, on est toujours au même endroit. Ah, le chien veut nous dire quelque chose, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il y a mon toutou? Waf waf, j'ai une mission. Waf waf, merci. Échapper aux peines suspendues. Ah, waf waf, j'ai une mission à te confier, j'arrête pas de me faire attraper par les peines suspendues sur le chemin de ma promenade. Est-ce que tu peux me montrer comment faire le parcours sans me faire attraper? Atteignez l'arrivée sans vous faire attraper une seule fois par une peine suspendue. Difficulté quasi max. Ouf ouf, ça c'est mon doudou. Loul. Loul. Alors, atteignez l'arrivée sans vous faire attraper. Donc c'est niveau en condition. Ça c'est pas mal le système de compte. Condition, c'est vraiment pas mal. Ah ouais, je peux passer au-dessus quand même. Non. On recommence. Bon, il y aura beaucoup de fails, là, c'est normal. Je vais pas montrer que mes réussites. Alors. Attends qu'on peut sauter, moi, ça me va. Ok. Ouh, c'est chaud en fait. C'est chaud parce qu'il y a la glace. Vraiment prendre en compte cet élément. Ça donne pas mal d'idées de création. C'est vrai que faire ce mode là, ça donne plein d'idées. Ok. On va un peu des pièces ici. J'ai vu une 10 pièces là-bas. Tac. Ah! Mince. Je suis allé beaucoup trop vite. C'est un 3 étoiles quand même en difficulté. Ouais, je suis allé trop vite en fait, j'aurais dû temporiser au milieu. Attends, parce que ça me gave ça. Luigi qui vient à chaque fois là. Est-ce qu'on peut le virer ce truc là? Recevoir notification sur mes stages. Hein. Non, on peut, je crois qu'on peut pas l'enlever. Hein. Ok, bon, c'est pas grave. Faut juste que je sois moins nul, en fait. Faut juste que je sois moins nul. Si je suis moins nul, ben, j'aurais pas assez... C'est Luigi qui me pop, là. Ok. C'est nickel. Lui, par contre, faut que je le kill. Qui va m'embêter. Voilà, ça dégage. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. Tac, tac, tranquillement. Là, je vais pas y aller en glissant parce que je sens le piège derrière. Ok. Ok, d'accord. J'aurais pas un champi. Wow. Ouais, il y a une 10 pièces là-bas. Non, j'y vais pas, tant pis. Ah, tant pis, c'est pas grave. Mince. Ok. Waouh. Il y avait une 10 pièces que j'ai ratée, mais bon. Qu'est-ce que c'est? Ah. Oh. Oh non! Ah, il est long ce niveau. J'ai plus que 2 vies. Ok. Là, ça passe tranquille. Là aussi. On prend ce 10 pièces, on le prend, il est facile à avoir. Là, on passe tranquille. Là, on peut y aller. Là, ça passe. Voilà, là, en fait, la difficulté ici, c'est de choper le 10, mais si on n'en a pas besoin, c'est pas la peine. Bien sûr, je me fais toucher par un os qui vient de nulle part. Hein.
Attends que ça tombe. On va tracer tranquillement ici. On va attendre que la voiture volante, que l'avion plutôt, parce que là c'est plus une voiture, c'est un avion. Que l'avion arrive. Ah, la fin est là en fait, ok. On va attendre la fin ici, tranquillement, en haut. Poc. Voilà, bon, c'était pas forcément dur, c'est des niveaux sympas à faire. Donc maintenant, le toutou, il va être content, vu qu'on lui a montré qu'on pouvait le faire, il pourra le faire lui aussi. Ah, quand même. 308 pièces. C'est pas mal. Ça me rajoute un marteau en plus, c'est cool. T'as encore un niveau? J'ai encore une mission. Ouf. Ouf, ouf. Eh bien, jette un œil au moins. Fuite en carapace, hors démarrer. Ouf, ouf, j'ai une mission à te confier. Les nuits sont fraîches ces temps-ci, alors je me demandais si tu ne pourrais pas me rapporter quelque chose pour me protéger du vent. Ok, on va faire les... Ben, je pense que je vais faire que les missions du chien, là. Un dodog. Atteignez l'arrivée dans une carapace de Sclerex. Sclerex. Wow, j'ai eu peur là. Ouais, oh, je crois que j'allais me faire écraser. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Wow, oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud ce niveau. Mince. Vite, 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 vite. Je vais m'écraser. Aïe. J'étais gourmand. En fait, j'ai pas que j'étais gourmand, mais j'ai foiré mon... Je me suis manqué, tout simplement. Il n'est pas évident, ce niveau. Parce qu'on est vraiment à la limite à chaque fois, quoi. Faudrait essayer d'anticiper les trucs, mais c'est pas évident d'anticiper aussi. Il faut que j'aille bien à droite pour pas écraser ici. Là, je suis bon. Là, je commence à aller à gauche. Mince. Je vais me faire écraser encore. Ah, j'essaie de gratter le... En fait, j'essaie de gratter le GPS. Je vais arrêter de vouloir prendre le GPS. Je vais y aller tranquille. Je vais y aller tranquille. Sans chercher à le prendre. Ça peut être pas mieux parce que, en fait, le problème, c'est pour anticiper, il faut... C'est pas évident parce qu'on voit pas. Il est pas mal ce filtre-là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais... J'ai eu, mais j'ai perdu du temps ou pas? Oh, ça passe. Oula, juste. Oh! Sérieusement. L'inertie m'a tué. Allez, go. Go, go, go. Go, 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 le bateau. Là, le coup d'avant, je voulais absolument pas prendre la pièce, mais vu qu'elle était là, je me suis dit autant en profiter. Mais j'ai bien fait, en fait. C'est quand je veux pas la prendre que j'ai le meilleur moyen de la prendre. Par exemple, là. Ok, un petit saut pour calmer la vitesse. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais bon. What? Ils sont énervés, hein. Oh là là. Oh, les grosses bombes là qui t'éclatent dessus là. Ouh. Ouh. C'était de justesse. Oh là là, ça passe juste. Je sais pas ce qui se passe à droite. Mince. Je sentais le sale coup. Je sentais le sale coup. J'ai plus la carapace. Ah. Oh là là. It's hard, c'est très dur. C'est dur en fait parce qu'on n'a pas le temps, on peut pas anticiper. Cette lave violette là, avec ce filtre, ça cache tout. Mais en fait, je peux l'avoir comme ça, sans trop forcer. Voilà, là je l'ai. En fait, sans forcer, je l'ai. Petit saut pour freiner.
Bon, là, ça passe tranquille. Là, voilà, ça, on saute dessus. Ouf, j'ai failli rater mon saut. Ok, là, ça devient compliqué. Parce que là, il y a un peu tous les ennemis de ma rue qui sont là. Je prends pas, c'est pas grave. J'avais le temps en fait, j'avais largement le temps, mais je prends pas. Je vais plus les prendre des pièces, je vais finir les niveaux, si possible. Oh putain. En fait, il faut attendre. À ce passage-là, il faut attendre. Il faut patienter. Dommage. Gars mauvais. On va recommencer. Réessayer. On va recommencer parce que c'est faisable. C'est juste que je dois être plus dans la concentration. Ok. Bon. On va laisser faire. Je peux même prendre les pièces si je veux. Si je fais bien les trucs, je peux les prendre, toutes les grosses pièces. Les multiplicateurs, là, je peux les prendre. Là, celui-là, c'est bon, je l'ai. Voilà. Ici, c'est bon, ça passe. Ça passe pas juste, mais pas loin. Faut pas se planter, quoi. Voilà, faut pas se tromper. Ouf. À chaque fois, je touche vraiment l'avant de sa grosse tête, hein. C'est pas serein tout ça. Voilà, là ça passe juste. Oh, c'est pile. Là c'est pas loin du tout. Voilà, là il faut que j'attende. Là je dois attendre. Sinon ça passe pas. Là par contre il faut que je trace. Après je connais pas la suite du niveau. Ça descend. Ok, il y a, oh, il y a un x30. Ah, oh, j'ai raté le x30. Ah, oh, j'ai raté le x30. Et là, je suis dégoûté. Et là, je suis dégoûté parce que c'est la fin du niveau, j'ai raté x30. Pouah. Dommage. Parce que le x30, il était vraiment, vraiment facile à prendre. Bon, c'est pas grave, l'important, c'est de finir. Par contre, il donne pas de pièces bonus, lui, c'est un peu dommage. What? Oh, il y a une carapace maintenant. Il y a une niche. Ah bah c'est nickel, c'est fini. Corps de logis, premier prêt. On a pris 2%. Il y a encore des niveaux. Attends, d'abord on va voir la Toadette. Allez, allez, on s'en mollit pas. Ah. Pas encore prêt à lancer de nos chantiers pour le moment. Profitant pour te détendre un peu, bavarde avec les ouvriers, continue d'avancer dans l'émission. Je vais me fâcher, il n'y a pas de mes ouvriers qui bossent, ils vont m'attendre. Ah. On peut rentrer. Oui, j'ai vu un point d'exclamation là-haut. Écoute un peu ça, Mario. La contremaître m'a pris mon nuage de l'inquiétude. Parce qu'un vaisseau disant besoin urgent, je veux pas que la contremaître entende ça. Juste à l'oreille. La contremaître s'accaparait. Hein, allez, l'ouest, tu voudrais bien nous en ramener un autre. Ok. Donc je dois finir avec un nuage. Je dois finir sur un nuage. Atteindre l'arrivée sur un nuage. Ok. Taux de verre. Ok. Ah. Ah, putain, dit. On est repassé sur du Mario 1 avec l'inertie du lac qui tue du Mario 1 et tout. Voilà. Il va falloir s'habituer. J'essaie vraiment de gratter. Hein. Je veux les 10 parce que là, il n'y a pas de bonus. J'essaie d'aller vite, mais tu sais quoi, je vais juste finir le niveau en fait. Je vais pas chercher le x10, tant pis. Oh, l'inertie, elle est hardcore. Mais il faut que je me concentre en fait.
Allez, concentré. J'ai dit concentré. J'ai dit concentré et je fais ça. Pouah, quel nul. Bon, on va recommencer. On va recommencer ce coup-ci, on va l'avoir. Ça va, c'est pas un niveau difficile là. Qu'est-ce qui m'arrive? En fait, c'est trop facile. Quand on prend pas les pièces et tout, c'est trop facile. Je me complique la vie pour avoir les pièces. C'est ça le truc. Je me concentre tellement sur le fait d'avoir les pièces que je rate le plus simple. Voilà, là son nuage, maintenant il est content. 7 pièces, waouh. C'est bon, il est content? Il peut se déplacer maintenant? Allez, toi de rouge, qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'ai quelque chose à te demander. A plus. Oh. Moi, ouais, j'ai quelque chose à te demander. Dis-moi tout. Ne veux pas que le ton maître nous entende. Oui, elle est lourde. Elle est lourde, cette pierre. Alors, on a un peu dépensé notre budget. On a court de pierres pour les escaliers. Et bien sûr, la contrebande ne veut utiliser que des pierres du désert. Et on va pas transporter. Ah, il est arrivé avec un caillou. Incroyable. Alors ça, c'est une belle condition, ça. Il faut choper un caillou et l'amener à l'arrivée. C'est pas mal. Ah oui, ah. Ah ouais, mais ça m'alourdit vachement en fait. Oh, mais c'est ultra dur. Ah ouais. Mais c'est quoi ces idées? Non. Ah, le caillou, ça alourdit vachement. Oh là là. Je sais pas si je peux lui sauter dessus. Ouais, je peux, mais c'est tendu. C'est vraiment tendu. Est-ce que je peux le lâcher, le caillou, ou pas? On va essayer. Ouais, je peux le lâcher si je veux. Pas obligé de le garder tout le temps, quoi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il change pas grand-chose, mais quand même. Ok. J'avais pas prévu ça. Ça c'est cool, ça là-haut j'aurai jamais. Oh, j'arrive pas. Comment je peux l'avoir lui? Comment je fais pour avoir les 10 pièces là-haut? Je sais pas. Oh, j'arrive pas, incroyable. Bon, c'est pas grave, je sais pas comment l'avoir le 10. C'est dommage parce que ça c'est des niveaux où encore une fois on n'a pas de bonus. Du coup, chaque sou ramassé compte. Et là j'en ai pas beaucoup de sous ramassés. Mais bon, ça fait avancer l'histoire, c'est le plus important on va dire. Ouais, 18 pièces. Ah voilà, c'est ça qu'il faut faire pour enlever les barricades. Ok, lui c'est bon, il manque Todd bleu. Il faudrait des blocs pour rejoindre l'aile est, mais... Ok. Alors, le Todd violet qui fabrique les blocs n'est pas encore arrivé. Je parie que le contremaître s'est trompé dans les horaires de forteresse volante. Ramenez le Todd violet. Atteignez l'arrivée avec un Todd. Ok. Ok, ok. On va essayer. On va faire ce qu'on peut. Atteignez l'arrivée avec un Todd. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Il y a un Todd ici. Mets là mon pote. De le porter?
Il me suit, d'accord. J'ai remarqué qu'ici, il n'y a pas forcément des transformations. On va spammer ça tranquillement. Hop. Comme je disais, il n'y a pas de transformation, c'est vraiment des champis. Des champis de croissance, quoi. Ok, on va se mettre là. Il n'y a pas de champis foufou. Oula. Oula. Je pense que je peux leur sauter dessus, mais. J'avoue que je sais pas trop. Ok. Voilà, nickel. Bon, c'était pas compliqué. On peut juste ramener un petit Toad. Et donc, il va terminer les constructions. Là où il y a des barricades à droite, logiquement, il va terminer les travaux. 50 pièces quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, 50 pièces en bonus, ça va. Je suis content, là. Allez, va terminer les travaux, mon petit. Ok. Traverser, boum. Oh. Alors, le Toad violet m'a fabriqué des blocs. Apparemment, le Toad violet serait monté sur la mauvaise forteresse volante. Si tu veux mon avis, c'est la faute de la contre-maître. Quand quelque chose ne tourne pas rond, c'est la faute de la direction. Mais ça reste entre toi et moi. Moi, je suis prêt à reprendre le travail sur l'aile. Va parler à la contre-maître si tu veux commencer les nouveaux travaux. Ok. C'est cool. On va descendre. Du coup, elle va me proposer des nouvelles. Alors, voilà. Ah, il y a encore les barricades qui sont pas terminées. On va commencer toujours encore une fois à l'est. 1100, quand même. Quasiment tout ce que j'ai. Bon. Et l'est, premier étage. On va se premier étage à l'est. Allez, plus de missions réussies, c'est plus de beaux sous. Pour continuer les travaux, j'ai 6 nouvelles missions. Eh bien, serre-moi la pince. Ah oui, j'avais commencé ça, je n'ai pas fini. Alors attends, j'avais du temps à tuer entre deux sites de construction, alors je me suis un peu amusé avec les pinces suspendues. Elles lâchent ce qu'elles ont attrapé dès que quelqu'un s'approche. Alors ça, je l'avais testé, mais j'ai pas compris en fait le. J'ai du mal à comprendre le truc. Enfin, j'ai pas compris. J'ai attendu 2 minutes avant qu'elle fasse quoi que ce soit. En fait, ça, il faut juste attendre. Et là, attendre qu'il lâche ici. Il le lâche pas. Et pourquoi il a lâché du mauvais côté. Voilà. Là, il va appuyer sur la note et il y a une clé qui sort. Jusque-là, rien de compliqué. C'est après que ça se complique et que j'ai pas tout compris. C'est ici. Ok, on ramasse ça. Ça, c'est cool. Je comprends pas pourquoi il lâche aussi tôt. Parce qu'il devrait pas lâcher aussi tôt. Il faut que je reste là. Ok. Ok, bon. Ok. Si c'est ça, alors j'ai à peu près compris comment ça marche. Donc je dois me mettre là déjà. Pour qu'il lâche ici. Voilà. Et là je dois me mettre. Non. Et là je dois me mettre là. Normalement il va lâcher à droite là. Ok, bon, ça, ok, d'accord. Le système est un peu bancal, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Alors, attends. Ah. Ok. Ah, je dois refaire. Oui, ça marchera pas, là. Mais... Ah, par exemple, là, il lâche au mauvais moment. Pourquoi il lâche là?
Au moment que je reste là. Allez, lâche. Yes. Ok. Le système, il est un peu... Je sais pas, je le trouve un peu mal fait après. Oh mince. Oh, j'avais pas vu ça. J'ai pas fait gaffe à ça. Jette-le. Voilà. Donc là, je récupère la voiture. Enfin, l'avion. Ok, là, je récupère l'avion. Ça, ça tue pas. Ok, cool. Ah bah, ça va. Ouais, c'est juste un système un peu... Ah mince, je voulais aller là-haut. Bah, c'est pas grave. Ça m'aurait fait 8 pièces en plus. Ce qui n'est pas négligeable. Mais bon. On va pas se plaindre. Voilà, là on a des vrais... Là on est un peu dessous là. Allez, premier marteau. Il va falloir que j'en fasse des niveaux. Boule de feu dans les arbres. Il n'y a pas des niveaux à 6000 pièces là. Un nouveau nuage, un tot perdu, ça c'est ce que j'ai fait. Ok, bon, tu sais quoi, le but c'est vraiment de tout faire, on va tout faire même si c'est que 100 pièces. Atteignez l'arrivée en ayant fait le poirier sur tous les arbres, il y en a 12. Oh. D'accord. Donc la condition c'est de faire le poirier. C'est intéressant, 12. Donc c'est niveau de Mario 3D World forcément. Qu'est-ce que c'est ce truc? Wow. Ok. Est-ce qu'il y a un compteur? Ah oui, il y a le compteur choix 3. Ok. Ok, ça c'est bon. J'arrive pas à accrocher en l'air. Ça, lui il est dead. Ok, on a bien eu. On m'a vraiment eu comme un débutant quoi. Toi t'es dead. Combien je suis là? Je suis à 6 sur 12, j'ai la moitié. Ok, 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 c'est pas mal cette condition, j'aime bien. J'aime bien le délire là. Ah ça par contre j'aime pas du tout. Ça j'aime pas du tout perdre mon costume comme ça, j'aime pas du tout. J'ai pas fait celui-là. J'espère qu'il y a des étoiles de partout, ce serait cool. Ah oui, j'ai pas le chat. Je pourrais pas l'avoir. Le 10 pièces, je pourrais pas l'avoir, j'ai pas le chat. Et le 12. Et boum! Et j'ai un 10 pièces quand même sur le drapeau. C'est cool. C'est des bons petits niveaux en 2D. C'est vraiment des bons niveaux. Hein. Ils sont pas prises de tête. Et c'est pas du day and retry bête et méchant. Il n'y a pas de piège. C'est ça que j'aime bien en fait. Une merde de chips. Si vous êtes un peu fort avec les chips, je ne suis même pas sûr qu'on puisse finir le stage. Quelqu'un veut tenter le coup, s'il vous plaît? Amoureux des vagues. Ok, amoureux des vagues, on va le faire. T'inquiète même pas. C'est niveau aquatique. Pas le Mario que je préfère, celui-là, mais bon. Ah, les chips, c'est les petits poissons. Ok.
contre, il y a des tornades dans l'eau. Ok, eux, ils font des allers-retours. Ils ont un cerveau, c'est-à-dire ils font pas du tout droit. Ok. Donc il n'y a pas de contrainte à faire avoir là. La seule contrainte, je pense, c'est de pas mourir, mais bon, ça. Ça, c'est logique. Ok, ça s'approche vite. Oh là là. Oh, j'aime pas quand il y a les scrolling comme ça qui te suit. Les ennemis en scrolling qui te suivent, tu sais. Tu peux pas. Ouh, ils sont encore là. Je pensais que j'avais évité là, mais non. Ok. Ils sont des deux côtés. Ils sont des deux côtés. Au secours. Parle que je ramasse les pièces. J'en ai raté deux. Et hop là. 90 pièces. C'est pas mal du tout. Plus ce bonus, ça va aller loin là. Je crois que c'est 150 de bonus, non? Il me semble. Yes. Ah, voilà, 240 pièces, c'est pas mal ça. Allez, encore un et on termine l'aile l'est. Mais on n'aura pas assez pour faire l'aile ouest. Expédition coupe un mobile de feu. La coupe à mobile de feu est prête à partir en XP. Maintenez Y enfoncé pour préparer des boules de feu surpuissantes. On l'a déjà fait ça. On l'a déjà fait ça. Il y avait un niveau qui ressemblait à ça. J'espère que c'est pas le même. C'est le même principe apparemment, mais. Ok, c'est pas du tout le même. Là, on est sur Mario World. Tout à l'heure, c'était pas ça. Attends, attends. Ah. Ah, on monte avec le stick. Wow, j'avais carrément oublié. Le truc, quoi. J'avais carrément oublié comment on monte. Incroyable. Ça veut dire qu'il y a deux passages. Ah oui, d'accord. Ça, c'est... Ah, d'accord. Moi, tu vois, moi, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que le bon passage c'était à droite et que à gauche c'était juste un bonus, alors pas du tout. Le bon passage c'est à gauche, faut descendre et à droite c'était juste le bonus. Comme quoi. Ok. Ok. On n'a pas trop le choix. J'ai pris ma petite combi, mon petit casque. Ok. Ça, ça dégage. Ça sert à rien que je concentre en fait. Ça sert à rien que je concentre. Mais oui. Hop là. Il rend un peu fou, hein, à travers... Oula. Par contre, il vaut mieux concentrer pour bien les détruire leurs cachettes, hein. Et là, boum. Ok. Ils nous en ont laissé un de plus au cas où. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Ah. Ah, ça va, j'ai perdu comme mon casque. Ouh, là j'ai perdu plus. Allez, passe. Aïe. Forcément. Ouh. Là ça devient chaud là. Il faut le tirer dessus avant qu'il lâche ses pics. Par exemple là. Pah.
Au moment où je dis ça, il lâche ses piques. Ouais, c'est des niveaux quand même qui sont intéressants. Vraiment, très intéressant. Là, ça va, je sais qu'il y a une fleur. Donc, ça me fait grandir direct, ça c'est cool. Ok. Ok. Ah, je me fais shooter de tous les côtés, c'est incroyable. Ok, non, c'est pas bon. Eux, je les aimais pas dans Mario 3, ces bestioles là. Ok, j'entends me faire éclater là. Tout à l'heure, je l'ai fait easy parce que j'avais le casque. J'avais le casque en fait. En fait, le casque, faut pas le perdre. Ça permet de faciliter grandement la vie là. Non, Luigi, je ne veux pas de ton aide. Je sais que je suis nul, mais j'ai pas besoin de toi. Merci, mon pote. Ouh, ça a tapé sur le casque. Je sais pas si vous avez vu, mais ça a tapé pile sur le casque. Là, il va être sur ma gauche. Sur ma gauche. Ok. Ok, lui il est pas mort, bien sûr. On récupère la vie. Je sens que je vais galérer, donc on récupère la vie. Donc là, on peut les taper par en bas. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est très très cool. Voilà. Ça, c'est très cool. Je crois qu'avec mon casque, je suis protégé, non? Bon. On va pas tenter ici. Ok. Ouf, juste avant qu'il crache. On prend le GPS, bien sûr. Et hop. Je pense que c'est la fin du niveau. Je peux péter ça? Ah. Ah bah c'est cool. Ça c'est un des Mario que j'ai le moins fait dans ma jeunesse malheureusement. J'avais la cartouche et je l'ai prêté à un pote et en fait il me l'a jamais rendu. Et j'ai pas eu le temps de torcher le jeu. Du coup j'ai dû faire la moitié même pas du jeu, je lui ai prêté la cartouche parce qu'à l'époque j'y jouais plus trop. Et quand je lui ai redemandé ma cartouche, il m'a dit « Ah, c'était à toi, je l'ai vendu. » Waouh, j'étais choqué. Il m'a vendu mon jeu, normal. Et voilà, elle va être à... Attends. Bon, on va continuer l'est, hein. On va faire les portes. J'ai pas envie de faire des niveaux à blanc, en fait. Du coup, on va faire les portes. Il y a 3, donc 3 fois, on va dire 3 fois 200, ça va faire plus 600. Bon, je vais faire des niveaux à blanc, c'est sûr. Je pourrais pas faire que du. Le bloc serpent des cieux. J'ai créé ce périmètre d'expérimentation pour des sceptiques des blocs serpents. Allez-y, lancez-vous. L'avenir du transport public vous tend les bras. Loul, le transport public. Loul, les Ouibus. Loul. Ça doit faire 30 minutes de vidéo là, peut-être un peu plus. Je vais continuer, je vais pas faire des... What? Alors là, pour le coup, j'aimais bien les niveaux serpents. J'aimais bien ces niveaux là. Quand j'étais petit, j'aimais bien. J'aimais bien essayer d'anticiper les trucs et tout, mais... Ok. C'était sûr qu'il montrait un peu avant. Il n'allait pas aller pile en dessous non plus. Là, c'était sûr qu'il allait me faire une feinte. Faut pas trop me faciliter la vie non plus. Hein. Ok, il y avait moyen de taper un peu plus, mais bon. Le 10. Tu m'amènes pas chez le 10?
Ouf. Je suis allé choper. Alors que le 10, j'aurais pu l'avoir en atteignant le haut du drapeau. Mais non, je voulais le 10 pièces. Là là. Bon, ça fait combien ça? Ah, ça fait pas 200 en fait. Hein. On en est même très loin du 200. Alors, paradis des bumpers. Ah, j'aime pas ça les bumpers. J'ai fait usage de quelques bumpers au sein de mon nouveau stage athlétique. Je doute que quiconque parvienne un jour à l'arrivée, mais si ça devait se produire, la récompense serait substantielle. Millionnaire excentrique. Sois prudent. Millionnaire. Donne-moi des millions, hein, ça ira plus vite. Les bumpers. Bumpers, c'est des trucs ronds, hein, ouais, c'est ça. Oui, la princesse derrière, j'avais pas fait gaffe. La princesse enneigée. Ok. Ok. Ça va être le niveau, on va faire 100 pièces, ça. Même pas. Je vais pas sauter. Moi, je crois qu'il fallait les mettre sur la tête. Hein. Je pense. Hein. Je pense. Hein. Pas être présomptueux, mais je pense qu'il fallait le mettre sur la tête. Hein. Parce que là, je pense que je vais galérer un peu. Mais bon. Ok. Ah si, je peux le mettre, c'est bon. En fait, quand j'étais en dessous, je pouvais pas le faire. Il fallait que je me pose sur une plateforme. Ok. Voilà, 39 pièces. Bon. Ça sentait le niveau sans sous, malgré ce qui était annoncé. Hein. Récompense, millionnaire, tout ça. Ça sentait l'arnaque un peu. Bon, mes calculs sont complètement foirés. J'étais parti sur du 200 par niveau. On est plus sur 280. Allez, le maître des arbres. J'ai créé un stage avec des arbres, mais il faudrait que quelqu'un vérifie qu'il est possible d'arriver au bout. Ah, il faudrait aussi que vous grimpiez tout en haut des 5 arbres. Et là, c'est un niveau de difficulté, une étoile. C'est bizarre. Il n'y a pas d'ordre de difficulté. Alors tu me diras, c'est comme les vrais Mario. Enfin, les jeux Mario de l'époque, il n'y avait pas forcément de. Les difficultés n'étaient pas forcément dans l'ordre. Ok, on ramasse les 10 pièces. Lui, il me fait rire cet ennemi, ce gros casque-là. Donne-moi un costume chat, par contre, s'il te plaît. Non? Ok. Non, ok. Loul. Loul. Allez, viens casser le truc. Viens là, mon pote. Viens là, mon petit pote. Et hop là, hein, t'arnaques, on passe par en bas. Merci, au revoir, tu me vois plus. Poc. Oula, ça dégage. Mon costume de chat. Ça m'intéresse. L'argent aussi, ça m'intéresse. Hop là, ça dégage. Oh! Ok. Il va falloir être plus malin qu'eux. Ça dégage. Hop. Ah, raté. Raté.
C'est pas grave, le timer, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'on est, on a 63 pièces plus 100 bonus. Poc. 173 pièces. Bon, c'est mieux que rien. On n'est pas encore dans les 200, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir de la pièce. Donc là, ils ont fini les travaux. Les portes, c'est fini. Je vais faire le canon, du coup. Ok, et voilà le travail. Euh, 1100, 1300, 700. 700, ça me laissera plus que 200. Bah tant pis. Hein. C'est combien de marteaux? 4. Quatre marteaux.